Hermine Bissem, elle est là sur le set. Bonjour, Hermine. Bonjour, Jasper. Hermine, good morning. How are you doing? Good morning, Eshimi. Okay. You dress like the air hostess this morning. With a tie. With a tie. Tie bow. Do you, are you going to the airport or you have this? what kind of laughter is that? It's like... We call it a tricky laughter, a technical laughter, you know. Laughter inside your throat. Je ne sais pas rire mieux que ça. Attention, si on veut pas aller à mieux que ça, c'est que c'est grave. Je ne veux pas qu'on aille à celui qui est dessus. Ok, fine. Une disait, mot expression dans le propos liminaire. Ouais, aujourd'hui, dans le propos liminaire, en introduction à cette émission, on a parlé justement de pléonasme parce qu'aujourd'hui, avec nous sommes à l'école du pléonasme à Assas. Yes, our English madame is here. Yeah. So we're going to be learning some English madame. French madame. Oh, French madame. Oh my goodness, French madame, sorry. French madame is here, so I'm very, you see, I'm holding my pen and definitely, I would definitely be using this word, jumper. So okay, what do we have, Amine? Nous écoutons. Aujourd'hui, nous parlons de pléonasme. In limine letis, dire comme, on va dire qu'un pléonasme, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois que dans une phrase vous trouvez des mots qui ont un même sens, on a affaire à un pléonasme. Ouais. Alors ceux parmi lesquels, enfin, les pléonasmes les plus utilisés, ils sont nombreux, on les utilise sans même le savoir. Ouais. C'est-à-dire que quand on dit « je m'excuse », je m'excuse, dans « m », il y a « moi ». Donc, ça fait deux fois moi, moi. Donc, on va dire je présente des excuses. Au lieu de dire je m'excuse. Il y a autre chose, prévoir d'avance. Dans prévoir, il y a déjà avant. Parce que le préfixe pré, c'est avant. Quand on dit prévoir d'avance, c'est deux fois avant, avant. Donc, on dit juste prévoir. That school today is difficult. On va juste dire prévoir, mais pas prévoir d'avance, parce que c'est deux choses. Il y a collaborer ensemble. Dans collaborer, il y a déjà mettre ensemble. Okay. Si en plus on dit collaborer ensemble, c'est deux fois ensemble. Is that what they call tautology? Non, c'est pas de la tautologie. La tautologie, c'est autre chose. Tautology, like you're saying one thing which is meaning the same thing inside the same phrase. Pas exactement. Ici, pléonasme, you have some pléonasme. Tu as les pléonasmes fautifs, mais tu as les pléonasmes qui peuvent être usités pour mettre une phrase. Voilà. Donc c'est voilà. Donc il y a ensemble avec. Il y a des gens qui disent ensemble avec. Soit on est avec quelqu'un, soit on est ensemble. On peut pas être ensemble avec jumper. Voilà. Tu ne peux pas être ensemble avec Jumper. Soit tu es avec Jumper, soit vous êtes ensemble. Justement, je vais m'arrêter un peu là-dessus. Dans notre langage de tous les jours, c'est quand on se sépare qu'on dit qu'on est ensemble. Je ne comprends pas. Regarde, on est ensemble. Pourtant, on se sépare. Non, c'est pour marquer. C'est notre langage. Hein. C'est pour marquer. On est ensemble. Alors là, on a également reculé en arrière. Voilà. Le reculer, c'est déjà aller vers l'arrière. Si on dit encore reculer en arrière, c'est deux fois arrière, arrière. Il y a inné en nous. Alors, c'est quand inné, c'est inné, inné, c'est déjà en nous. Ça ne peut pas être inné en nous. C'est déjà French. Deux fois en nous. Mais French. Il y a offrir gratuitement. Alors. Il y a des gens qui aiment dire offrir gratuitement. Ouais, quand c'est that is a way to emphasize that I'm giving you free of charge. That's you want to emphasize. Yeah, yeah. C'est in English is okay. Yes. So I'm giving you free of charge. Oui, en anglais c'est ça peut passer mais pas en français c'est lourd. Offrir gratuitement quand c'est gratuit, c'est offert. Je veux dire que tu offres gratuitement. Prends. Bah, si tu donnes la chèvre et tu tiens la corde.
Si tu ouvres la, la chèvre, tu tiens la corde. Pourquoi je t'offre, mais t'offre ça là. C'est gratuitement. Donc, oui, et les gens disent toujours ça. Hein, ouais. Je lui ai offert gratuitement. Non, mm-hmm. Je lui ai offert ou bien je lui ai donné gratuitement. Ouais. On ne ce n'est pas offrir gratuitement. On a 10 heures de temps. Le temps, c'est déjà la durée. Alors, je l'ai attendu 10 heures de temps. C'était mais 10 heures, c'est déjà la durée. S'il faut encore mettre de temps, vraiment. So we are c'est la durée du temps. We speak jargon, that we speak French. Jesus, Emmy, thank you. We speak. Je l'ai attendu 10 heures de temps. Oui. Non, je l'ai attendu 10 heures. 10 heures. C'est déjà seulement 10 heures de temps. Je l'attends depuis from. Look at that. Yes. Depuis from. Depuis from. Depuis from. Il y a aussi. Il y a plus pire. Uh-huh. Ça ne peut pas être pire que ça ne l'est déjà. Hein. Plus grave. Ça ne peut pas être. Plus grave, is it okay? No, it's okay. Plus grave, ça plus va. Grave is okay. Okay, okay. Mais plus pire. Plus pire is the worst. Ça ne peut pas être pire que ça l'est déjà. It's just the gravity of what you want to express. Ça ne va pas être pire que ça ne l'est déjà, même si on ajoute plus. C'est plus donc, pire. C'est pire. C'est pire. Même plus meilleur. Vraiment, ça ne peut pas être plus meilleur. C'est plus mieux. Yes, even in English, not even say. Sometimes you say English that is the premier. Yeah, marché. Yes, that's somewhat in English that you don't use most or more, you know, because when you say it, it is not because it is it's already. Not it is yes, it's already more. Yeah. So adding again, you know, plus that means and so nothing. Yes, it means nothing. It, not it is already much is more. C'est déjà pire. Yes. En dessous de pire, il n'y a rien. Like you say more much. Voilà. Il n'y a rien. More much, there is nothing to add there. Après pire, il n'y a rien. Donc même si tu mets plus là, on a compris que c'est pire. Il y a marcher à pied. Alors. À moins d'être sur une autre planète, sur cette terre, on marche avec les pieds. Ah. Jumper. Donc. Jumper, il m'a dit ça hier. So you have to train. Il m'a dit hier que tu vas marcher à pied. Alors, this guy. J'attends de voir des gens qui marchent avec la tête. Oui, aussi, il y a ceux qui marchent avec les mains. Pour le moment, on marche. Marcher, c'est aller à pied. Mm-hmm. Si on dit encore marcher à pied, c'est grave. Et s'il a marché pour aller au marché à pied et qu'il n'avait pas ses pieds? Il a marché avec quoi donc? Il a roulé. Il y a abus excessif. Alors. Quand c'est excessif, c'est forcément qu'il y a un abus. Okay. Donc, abus excessif, même si on appuie sur excessif là, ce sera toujours un abus. Ce ne sera pas pire que ça. Parce qu'un abus, c'est déjà pire. Mm. Aïe. Alors, il y en a beaucoup comme ça. C'est monter en haut. Mm. Monter, c'est déjà aller haut. Vers le haut. Si on monte encore en haut, je crois qu'on va toucher le ciel. C'est monter en haut. Je suis monté en haut. Bah oui, justement, l'avantage avec le pléonasme, justement, parce que c'est une figure de style, ça veut dire qu'il y en a des formes qui sont qui utilisées. Qui peuvent passer, oui. Voilà, il y a des formes qui peuvent passer. Donc, c'est ça. French is very hard. Oui. Complexité. Mais il est quand même important de savoir, parce que quand on sait, on peut savoir comment faire passer. Okay. Parce qu'il y a des pléonasmes quand même qui passent. Ouais. Mais quand on ne sait pas, on va continuer à dire « je marche à pied ». On va continuer à dire « c'est plus pire ». Parce que je pense que plus pire, même à l'oreille, c'est compliqué à entendre. Ah donc, c'est compliqué. Donc, ça fait compliqué l'oreille. C'est trop compliqué. Ça fait mal à l'oreille. I used to have a former colleague here when you speak English and that was Mbale. He would say, eh? It's because of a lot of speaking is pidgin here. Yes. Mais ben, je te regarde avec les yeux. Je te regarde avec les yeux. Voilà, c'est très important. Merci, Amine Bissem. Un autre pléonasme encore pour la route avant de prendre la route. Je t'écoute. Tu m'écoutes avec les oreilles. Ah ouais. Ou alors je vais manger avec ma bouche en fait. Ouais, t'écoutes avec les oreilles. Tu m'écoutes avec les oreilles. Je vais manger avec ma bouche. Okay. Alors il est important de dire ici que on n'a pas la prétention de refaire l'éducation des gens, mais c'est de leur rappeler les choses peut-être qu'ils ont oubliées ou bien qu'ils utilisent sans le savoir. On apprend tous les jours. On se perfectionne tous les jours et on a besoin. Les gens vont te dire le français ce n'est pas ma langue. Sauf But, que. I mean, let me not cut you. You know, there is some kind of harsh way when you speak maybe wrong French. Some people come in to correct you. Some people correct you to embarrass you. Like,
Is there not a maybe a formal way to actually make for someone to feel like, oh, what you said, not that what you said you were supposed to do it, like, or you just say it, let the person repeat it? Ça dépend de l'endroit aussi, et ça dépend de la relation qu'on a avec la personne. Mm-hmm. Parce que si c'est en toi et moi, je peux te dire, tu vas me dire, je l'ai dit que, et moi je vais redire, je lui ai dit que, pour peut-être que tu comprennes. D'accord. Encore qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre que je suis en train de corriger. Après, je dis, ça dépend de l'endroit et ça dépend des circonstances aussi. Et de la relation aussi qu'on a avec ta personne, pour ne pas l'embarrasser, pour ne pas la frustrer. Voilà, le tout important, voilà. We know how to speak French, we know how to speak English. Now, let's see how we can speak our own language. Thank you. Merci. De toutes les façons, elle sera là tous les mardis. Yes. Pour les mots et expressions, merci Amine, Amine, please, d'être passé. Next week, when you're coming, we need a papillon. Allez. Why? Parce que j'ai la cravate, je lui mets un papillon. Si je n'interviens pas, les filles, elles vont discuter jusqu'à demain. Petite transition FX derrière. On va parler justement avec le coach Bertin Tchinda qui revient de maladie, c'est important. On va lui souhaiter bon retour. The guy was transition. The guy was